L'Église de Pentecôte du Togo le sait, elle ne pourra véritablement amorcer son développement sur le plan holistique qu'avec le concours de ses membres ou fidèles, travailleurs accomplis dans leur projet entrepreneurial. Dans le souci de s'équiper afin de relever les défis qui s'imposent en la matière, le ministère des Hommes en collaboration avec Campus pour Christ Togo et l'organisation Discipline Marketplace Leaders a organisé du 24 au 27 juin 2024 à Lomé un séminaire de formation sur le thème Discipola des leaders du monde du travail avec l'Église comme base. L'Église, en tant que communauté de foi, a toujours été un lieu de formation et de transformation. Elle nous offre les outils nécessaires pour développer notre caractère, renforcer notre foi et orienter nos actions selon les principes évangéliques. En s'appuyant sur l'Église comme base, les leaders peuvent trouver un soutien spirituel et moral indispensable pour naviguer dans les complexités de la vie professionnelle. Ce séminaire est une occasion unique de réfléchir ensemble sur ces enjeux, de partager nos expériences et de renforcer notre engagement à être des témoins authentiques de notre foi dans nos lieux de travail. Que ce séminaire soit pour chacun de nous une occasion de renouveler notre foi, de renforcer notre engagement et de nous préparer à être des leaders éclairés, dévoués, tant dans l'Église que dans le monde du travail. Autrement dit, l'Église comprend aujourd'hui et voudrait l'inculquer également aux fidèles que prospérer viendra de la conjugaison des jeûnes et prières et aussi du fruit de leur dur labeur. En réalité, la Bible nous enseigne que Dieu a béni Adam et Ève et leur a dit d'être féconds, de se multiplier, de dominer, de régner sur la terre. De la même manière que Dieu a béni Adam et Ève, Dieu a béni aussi les chrétiens. Et que les chrétiens doivent retourner au commandement de bénédiction, c'est-à-dire c'est celui de la fécondité pour pouvoir prospérer. Et donc en dehors de la prière, en dehors du jeûne, en dehors de l'obéissance à la parole de Dieu, il faut que le chrétien travaille de manière excellente, il faut que le chrétien soit intègre, il faut que le chrétien investisse dans les affaires et dans tout domaine porteur. Parce que la réussite ou la prospérité, elle n'est pas que spirituelle, mais elle est aussi financière et matérielle. Il est important que l'Église encourage, ou les leaders d'Église encouragent les chrétiens à prospérer dans leur travail, dans les affaires, parce que c'est les membres ou les chrétiens qui peuvent et doivent financer la mission, l'implantation d'Église, la construction des Églises. Alors cette formation vient à point nommé pour aider l'Église à croître non seulement spirituellement, mais aussi financièrement et matériellement. La session de formation a été répartie en deux phases. Une première, les 24 et 25 dans les matinées, est réservée aux leaders d'église que sont les apôtres et pasteurs, et la seconde dans les soirées du 24 au 27 aux professionnels, responsables d'affaires, entrepreneurs et pasteurs. Quel pourcentage d'adultes dans l'église sont impliqués dans le monde du travail? Comment l'Église considère-t-elle les affaires et les hommes d'affaires? Et enfin, comment les hommes d'affaires considèrent-ils l'Église? Ce sont les questions essentielles de base posées par les deux formateurs, notamment Mme Reed Thompson, Renita Grace des USA et le révérend Théophile Paré du Burkina Faso à l'entame de la formation avant d'aborder les thématiques d'envergure au profit des participants. Chaque Église locale, selon ses orateurs, doit former le monde du travail au discipola. Notre objectif dans les disciples, là, les leaders du monde du travail, c'est d'équiper ceux qui sont dans le monde du travail à être des disciples. Et nous croyons que le travail doit être fait comme un acte d'adoration, mais souvent nous le faisons comme un fardeau. Souvent nous avons oublié que nous avons été créés pour travailler dans, selon Genèse chapitre 1 et 2. Nous croyons que nous devons avoir quelques formations sur les disciples. Là. Comment est-ce que nous pouvons faire le travail comme pour le Seigneur? Et notre objectif est de faire comprendre et le travail dans la perspective biblique. Notre désir était comment aussi nous pouvons faire prospérer nos affaires et le tout à la gloire de Dieu. Nous croyons que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il inclut nos affaires et il inclut notre manière de travailler. Et nous croyons que chaque chrétien est un ministre à temps plein. Et le ministère à temps plein, c'est toujours de donner gloire à Dieu. Et nous enseignons
que l'objectif même de dimanche, là, c'est lundi. Et nous pouvons transporter dans notre adoration tous les jours. Nous devons amener donc notre foi dans notre lieu de travail. Ça a été un très grand plaisir pour nous d'être ici et de voir encore des chrétiens qui veulent aussi faire leur travail comme une mission. Seeking to live their life to do their work as an act of worship. Comment faire son travail comme un appel de Dieu? Faire son travail avec une vue biblique? Le travailleur chrétien et l'éthique, comment protéger les affaires, l'élaboration du budget personnel, la comptabilité et le marketing sont entre autres modules développés aux participants. Grâce à cette formation, les pasteurs de l'église de Pentecôte du Togo et ceux de l'église baptiste aussi présents semblent avoir compris la mission qui est la leur dans l'accompagnement de leurs fidèles dans le monde du travail. Moi, en tant que pasteur, je comprends maintenant que l'Église a un grand rôle à jouer dans le développement du monde du travail et surtout pour apporter la lumière de Jésus-Christ, parce que c'est la lumière de Jésus-Christ seule qui est la clé pour un développement. Un développement épanoui de l'être humain. Donc le monde du travail, la plupart des fidèles, ou bien tous les fidèles, sont concernés par le travail. Cette formation particulièrement m'a outillé et m'a permis de comprendre que l'Église a sa place dans le monde du travail. Alors pour réussir nos entreprises, il me faut sincèrement établir une bonne fondation et arriver à avoir les murs. Les murs, quelles sont mes limites? Quelles sont mes obligations, quelles sont mes valeurs et quels sont mes secrets pour arriver à l'excellence. Et maintenant, après avoir posé les murs, il faut penser à la porte, aux fenêtres, aux toits. À la porte, mes clients, la fixation des prix, mes clients, et là, comment gérer les clients, comment gérer ma comptabilité. Donc, je pense que tous ces secrets que j'ai reçus dans cette formation vont m'aider à outiller les membres de l'Église. La satisfaction est aussi palpable du côté des fidèles ou hommes d'affaires. Nous fiafia ya enabe et nous yomido abemia ba jowene e gakpere mianti bena leke miaten le miabe client o et nous fiafia anabe na minyo nuwa miabe suso atema hu be miatem awodo kumia nono asila sime kumia be de tugyo asila sime miabe de kakwe asila sime. Mia classi connaît mia nono mia wodo mia hundo peo mia dono ke anabena choche ane keketa anabena mia vo anabe amesia menevo nenyebe obionde so amesia amesia me latem we kujifa eye nu popopo manu ntio alo adukli dugu manu ntio ma uneira ameko vatia minu ma uneira mia to amoeni ma uneira mia be president. Cette formation était très riche. En tant que chef d'entreprise, j'avais des lacunes par rapport surtout au problème de fixation des prix. Les formateurs ont donné des éclaircissements par rapport au prix, comment fixer les prix en tant que chrétien, comment diriger son entreprise en tant que chrétien, parce que nous avons souvent des formations faites par des écoles, par des structures qui ne glorifient pas le nom du Christ. Et ça cause des problèmes par rapport à l'éthique chrétienne. Et aujourd'hui, nous pensons que nous avions balayé d'une manière dans l'ensemble les problèmes que rencontrent souvent les entrepreneurs sur le marché. Pour information, Discipline Marketplace Leaders éduque, équipe et donne à l'église locale en Afrique surtout les moyens d'établir un ministère qui permet à chaque croyant de vivre son travail comme un culte et une mission.